Bonjour tout le monde, c'est Yves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un nouvel animal de notre pack, le DLC Zone Humide. Et aujourd'hui on va s'attaquer au Kobe de Mrs. Gray. Et il faut savoir qu'avant je ne connaissais pas l'animal, mais en fait si, on en voit beaucoup. Dans tous les parcs, dans tous les zoos, il y en a partout quasiment j'ai l'impression. Et je confondais souvent sûrement avec une sorte de bouquetin ou autre. Du coup, j'ai quand même fait quelques petites recherches histoire de voir leur habitat naturel. Et je dois dire que... y a pas grand chose. Généralement, c'est une... Il se trouve en Afrique, dans des grandes plaines, avec une surface humide, là où il y a des crocos et j'en passe quoi en fait. Et tout le reste, bah, c'est de la plaine avec de l'herbe. Donc je sais absolument pas comment je vais faire un enclos. Du coup, je vais faire un truc plutôt réaliste de leur habitat. Donc je pense pas que ça va prendre longtemps pour une fois. Je suis fasciné par mon buffle. Mais tout ce que je sais, c'est qu'ils mangent, s'ils sont à côté de l'eau, ils mangent beaucoup de plantes aquatiques. Donc on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa. Bien sûr, il n'y aura pas de nénuphar ou quoi que ce soit normalement, puisque il y a les crocos, l'eau. Je crois pas que j'ai pas vu de nénuphar dans les vidéos que j'ai regardées. Mais bon, on verra ça. Du coup, moi, je vais vous souhaiter un bon visionnage et à tout à l'heure. Thank you.
Heureux tout le monde! Donc voilà, on en a fini pour cet enclos. Oh, il y en a encore qui arrivent. Il y a le mâle dedans. Oui, il est là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est une grande plaine. Très grande plaine. Avec pas mal de végétation, de l'herbe sèche. Ou je sais plus trop c'est quoi son nom. Et donc une sorte de semi-rivière. Avec un peu plus profond à certains endroits. Normalement, ils sont axés un peu de partout à pied, je crois. Voilà, j'ai juste mis des endroits un peu plus profonds. Avec de l'herbe, histoire qu'ils puissent manger. J'ai essayé de reproduire une petite photo que j'avais vue. Que j'aimais bien, où en fait on voyait les cobayes en fait sauter par-dessus la rivière pour passer sur un sol plus vert. Donc je trouvais ça joli. Puis j'ai vu pas mal de photos où il y avait beaucoup beaucoup de plaines avec des animaux dessus au milieu des grandes herbes. Donc je me suis dit ok, on va faire ça comme ça. Et en fait, résultat, je suis plutôt satisfait. Je trouve très beau. Je le trouve assez beau en effet. Donc j'ai pas mis de clôture parce que voilà, ça cache tout les clôtures. Regardez, j'adore tellement cet enclos. Restons focus. Focus. Donc là vous voyez par exemple là hop il a accès Ah non il a peut-être papier là. C'est peut-être encore haut. J'ai peut-être visé trop haut. Bon c'est pas grave. Ah non si voilà c'est bon hein. Voilà. Donc ils peuvent se désaltérer là. Prouter l'herbe aquatique. Comme ça a été dit dans la description de l'animal. Ils ont des coins d'ombre. Je pense que le taf est fait. L'enclos est très stylé. J'aime bien cette partie-là. J'ai planté mes arbres à saucisses. Enfin. Enfin, j'ai planté des arbres à saucisses. En fait, j'aime bien toutes les parties parce qu'elles sont toutes bien herbeuses, bien propres. Elles sont très jolies. Du coup, je suis assez satisfait de l'enclos. Qui est quand même pas mal grand, je dois dire. Mais vu que je voulais quelque chose d'assez grand, une sorte de plaine, donc c'était un peu normal. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si le contenu vous plaît et nous on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.